Daj ty ptáčku, králáčku, vysoko lítá. Povedz, že mi novinečku, jaku tam svíkať. Aj si káč tam novinečku, nehrubě dobrú, že už tvoju najmilejší ku slubu vedú. Bajú vedú třej, dajú šestému je žal, sedmému se srdce kraje, že ju mě dostal. Hello, I am Kateřina Getlichová. I'm the leader of the band Bragas. We come from Prague and we are a band focusing for traditional music. Bonjour, je suis Kateřina Getlichová. Je suis le leader du groupe Bragas. On vient de Prague et on se focalise sur la musique traditionnelle européenne. On n'est donc pas centré sur nos propres traditions, mais plutôt sur les musiques anciennes, principalement d'Espagne et des Balkans. Ať ju ještě uvidíme, pokud je panu. Devátému napísala na pergamíně, aby sobě hledal panu v jiné krajině. My father was musician, so I was growing with music, so I thought always like it's very natural to take guitar and sing. Mon père était musicien, j'ai grandi avec la musique et j'ai toujours pensé que c'était naturel de prendre une guitare et de chanter. Je viens d'un coin de Prague où vivent beaucoup de gitans. En particulier, la moitié de notre classe à l'école était gitan. Et déjà, quand j'avais 6 ou 7 ans, j'ai découvert que leur musique était bien plus fine que toutes les musiques traditionnelles que j'avais entendues. Je me suis dit, waouh, c'est merveilleux, c'est un chemin que je veux suivre. I enjoy a lot the communistic period. J'ai beaucoup apprécié la longue période communiste et à cette époque, la musique folk était très populaire en République tchèque. Ce n'était pas de la musique traditionnelle, mais plutôt de la chanson d'auteur qu'ici on appelle toujours folk music. Il y a 30 ans, c'était très courant que les jeunes ou les moins jeunes chantent avec leur guitare. Et beaucoup de Tchèques jouaient comme ça juste pour le plaisir. Years ago, we formed a band which played like purely medieval music. Il y a très longtemps, j'avais formé un groupe qui jouait de la musique médiévale pure. Mais on ne voulait pas être seulement en quête de vieilles traditions. On voulait jouer des musiques plus jeunes. So, like since 2007, exists Bragas, and we just choose traditional songs from Balkan or from Spain, and still we have a very big connection with Sephardic music. Bragas existe depuis 2007 environ. Nous avons choisi les musiques traditionnelles des Balkans, d'Espagne, qui ont toujours un lien étroit avec la musique séfarade qu'on aime beaucoup. Cette musique est bien adaptée aux voix féminines et aux instruments dont nous jouons. Nous aimons aussi les tonalités orientales et les rythmes d'Europe de l'Est. J'aime le mesure en 7-8, 9-8, 11-8. Ce genre de rythme nous parle, c'est pourquoi on les emploie. We
are touring really a lot because as we started as a band playing medieval music, still we have our place in this scene. So there are many, many festivals. On tourne beaucoup car ayant commencé par la musique médiévale, le groupe a gardé sa place sur ces scènes. Il y a de nombreux festivals de ce genre en Europe, axés sur un aspect historique. Toutes les grandes villes au passé ancien organisent ce type de festival. Et comme notre place sur ces scènes est très stable, nous y sommes restés, même si nous ne jouons pas de la musique médiévale. On voyage beaucoup et du printemps à l'automne, nous jouons presque chaque week-end. France, Belgique, Espagne, Allemagne, Autriche. En fait, on joue moins souvent dans notre pays qu'à l'étranger. There is a creative team, which is me, my husband David, and some designer called Honza Balcar, and he did like four last CDs. And his work on the product. Il y a un team créatif constitué de moi-même, de mon mari David et de Honza Balcar, un designer sonore qui a travaillé sur nos quatre derniers albums. Son travail sur nos CD est énorme. J'aime travailler avec eux. Si Honza et moi sommes proches de nos intentions musicales, David est plus déjanté. Il veut tout enregistrer, il faut le calmer. Mais au final, on est content des résultats. Et travailler en studio est très appréciable. Quand je pense à quelque chose, il suffit que je dise à Honza, peut-on essayer ceci? Et hop, c'est fait. C'est vraiment très cool. En fait, ce sont deux membres très importants du groupe. This is very curious that we started as a band and we were happy we can go somewhere to play music for our joy. C'est amusant de constater que nous avons commencé comme un groupe, que nous étions heureux d'aller quelque part, de jouer pour notre plaisir et celui des auditeurs. C'est quelque chose d'assez normal pour des musiciens. À présent que nous sommes sur de plus grandes scènes, dans de grands festivals, répondre à ces questions, quelle est votre motivation, que suivez-vous, où allez-vous, c'est très difficile d'y répondre, car nous voulons simplement raconter des histoires. And I think the traditional lyrics are hiding so many secrets and so many important messages. Je pense que ces paroles issues de la tradition cachent tellement de secrets, de messages importants, qui sont immortels. Qu'ils aient 400 ou 600 ans, ces messages sont toujours actuels. Ils nous interpellent toujours. C'est pourquoi nous suivons la tradition.